l'association Mécénart, une association qui promeut des artistes, 17 au total, nationales, en national pour l'instant, et on est là pour leur simplifier la vie, on va dire. Le but du jeu, c'était de trouver des artistes qui avaient des techniques particulières. Chacun a vraiment sa spécificité. On va d'André Laban et ses peintures sous-marines. Donc, quand on dit peinture sous-marine, oui, réalisée réellement sous l'eau. Connu depuis plus de 50 ans en tant que peintre sous-marin, avec le dernier encore vivant de l'équipe Cusco, Tousto, des plongeurs des années 50. Et qui a une vie extraordinaire. Qu'est-ce qui, pour vous, intéressera le public quand ils vont venir ? Quelles sont pour vous les choses que vous auriez à dire ? Venez, parce que vous allez découvrir quoi ? Ça va être la confrontation de différents êtres en tant qu'artistes et de leur œuvre, par principe, puisque chacun ayant sa technique a sa fibre. Donc on va avoir Raymond Berbiguier, c'est un maître du pastel. On va avoir Patrick Rogelet, qui est un maître du crayon de couleur. Vous allez avoir Baignoire Verte, BV Skin Art, pour être précis. C'était son autre corpo, Baignoire Verte, on ne dira pas son nom de famille, qui lui est spécialiste de ces toiles. Il invente une technique de toile au silicone, et c'est unique au monde. Donc avec une transparence, avec un système de pochoir qui donne presque des œuvres en 3D, mais sur toile. Vous allez avoir Alain Gijou qui est suisse et qui est le peintre du défiguratif. Christian Marini qui est un Marseillais depuis tout le temps. Marseillais depuis tout le temps et qui lui est plus dans l'art brut. Et j'oublie quelqu'un, Alain Vessière et son... Là on est dans une nouvelle technique et un art qui est en plein essor, c'est l'art numérique. Quelque chose que nous avons même nous découvert au niveau de l'association. Il faut y être. Et Louis Blanc, qui lui est le sculpteur photographique, c'est-à-dire qui se met en scène complètement, et ça donne des résultats avec des prises de vue sans trucage, assez fabuleux en noir et blanc. Et pour finir, notre sculpteur qui a un très beau parcours, major de l'école Boulle, j'invite les gens à venir découvrir justement cette exposition et son parcours et qui met en scène des êtres humains avec des animaux, des situations, et on est vraiment sur le thème de l'exposition qui est l'être et le paraître. Même pour André Laban, on était plus sur le côté humain de par son parcours au sein de la Calypso et de cette aventure humaine qu'il a vécue. Alors vous êtes le président de l'association. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous touche chez ces artistes ? Quelle sensibilité, quelle émotion vous avez à travers ça ? Alors, ce qui est très beau dans cette aventure mécénate, c'est qu'on connaît les égos de certains artistes. Pas facile de les réunir, de les confronter, de les faire exposer ensemble. Et cette aventure qui dure maintenant depuis... On a 20 ans d'expérience avec Marie-Hélène Barreau-Montbazé qui vient d'arriver. Marie-Hélène est historienne de l'art, docteur en histoire de l'art. C'est la vice-présidente, c'est la commissaire de l'exposition. Et on a tous ressenti cette fibre d'une grande famille. Et croyez-moi, quand on connaît les artistes, pas simple de les associer. Ils communiquent entre eux par rapport à leur technique, par rapport aussi à leurs expériences, parce qu'on va d'un artiste qui a 86 ans, André Laban, à des plus jeunes qui ont à peine 22 ans dans l'association. Donc c'est plus cette aventure humaine qui est assez fabuleuse. Nous invitons à venir découvrir l'exposition « Les talents Mécénart font salon ». Donc à Salon de Provence, à la salle Robert de la Manon. L'exposition est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et le dimanche de 14h à 18h. Donc venez nombreux découvrir tous ces talents, ces techniques. Et ce sera un plaisir de vous accueillir. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit.